Good morning, allez, dans les tutos aujourd'hui, le lundi matin, Rami, on amène Hanna Pigi, Batistin, Nissim Ben Aouda, et l'Irfouat, Efrat Mayan, Bat Léa, Betor, Shah, Cholé Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions, mais c'est Rabbi Nazara, Périgbet, Mishnah, hey! Amar Rabbi Yehuda, Shaal, Rabbi Ishmael, et Rabbi Yoshua, Chayou, Mealachin, Baderech. Amar lo Mipnema, Asru, Gvinot, Shel Goim. Amar lo Mipne, Shema, Midinota, Bekeva, Shel Nevela. אמר לו, והלא כבת עולה חמורה מכבת נבלה, ואמרו, כהן שדתו יפה שורפה חיה, ולא הודו לו, אבל אמרו, איננים בן מועלין. חזר ואמר לו, מפני שמעמידין אותה בכבת עגלי עבודה זרה. אמר לו, אם כן, למה לא עשה רוע בענה? הסיעו לדבר אחר. אמר לו, ישמעאל אחי, איך אתה קורא? Qui tovim dodecha miyain, ou qui tovim dodaich? Amarlo, qui tovim dodaich? Amarlo, et d'avoir ken, sharen chavero melamed alav, le reach, shemanecha tovim. On rappelle d'abord dans la fin de la Mishnah d'Alet, on a parlé des gvinot shel goim. On avait vu une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim sur les fromages qui proviennent. Fabriqués par les goïms, est-ce qu'ils sont permis ou non? On apprenait qu'ils étaient, d'après tous les avis, interdits à la consommation. Et la machloquette qu'il y avait était de savoir est-ce qu'il était permis d'en tirer profit. Rabbi Meir interdisait, c'était un problème de Avodazara. Retenez bien le principe parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de la Mishnah. Puisqu'on parle d'un problème de Avodazara, selon Rabbi Meir, parce qu'il était Rochesh le Miyuta, il craignait la minorité de gens qui sacrer leurs chèvres et leurs vaches à la Avodazara, à leur idole, et de ce fait, leur lait était défendu à cause de la Avodazara. De ce fait, puisque c'est Avodazara, c'est interdit même d'en tirer profit. Tandis que d'après Chachamim, on a le droit d'en tirer profit. Donc le problème, ce n'est pas un problème de Avodazara. Et maintenant, notre Mishnah démarre en posant justement cette question avec Rabbi Shmuel qui pose la question à Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda racontait. Shaal Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael a posé la question, être Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua. Kshayu malchin baderech, quand ils étaient en chemin, ils étaient une fois en train de se promener, de marcher. Rabbi Ishmael a saisi l'occasion de demander à Rabbi Yoshua. Mipnema, Amarlo, il a posé ainsi, il lui a demandé ainsi. Mipnema asru gvinot shel goim. Pourquoi les chachamim ont-ils interdit, décrété un interdit, sur les fromages qui sont en provenance des goim? Amarlo, il lui a répondu Rabbi Yoshua. Alors, avant qu'on va lire la suite, juste, je vous annonce la couleur, qu'est-ce qui va se passer. Rabbi Yoshua, il a un intérêt, pourquoi il ne veut pas dévoiler la raison à Rabbi Ishmael. Et donc il va lui avancer des fausses excuses, et qu'à chaque fois qu'il va lui dire, il va lui avancer une excuse, une raison, Rabbi Ishmael va dire, mais non, si c'est à cause de ça, alors ça devrait être différent, ça devrait être autrement. Et donc du coup, Rabbi Yoshua va revenir à la charge, il va lui dire, non, alors c'est en fait, c'est interdit à cause de ça. Et Rabbi Ishmael va devoir venir à la charge encore une fois en lui disant « Non, c'est pas logique ce que tu dis. » Et finalement, il va l'embrouiller, il va pas lui dévoiler la raison. D'accord? Donc en fait, il va avancer une première raison qui ne va pas être juste, mais en tout cas, comme ça, il a voulu se protéger en lui disant « Mipenei shema amidin otam bekeiva shel nevela » Littéralement, parce qu'on fait le fromage, on fait coaguler, ça s'appelle, comme le sang, la même chose avec le fromage, on fait coaguler le fromage, la matière lactée, avec une keiva shel nevela. Littéralement, avec la panse, l'estomac d'une nevela, d'un animal qui n'a pas été égorgé avec une shrita par l'abattage rituel. En réalité, on parle de la présure. On explique vite fait. D'abord, un petit peu de connaissance. Bien sûr, vous savez bien que pour faire le fromage, il faut du lait. Ensuite, comment est-ce qu'on fait le lait? On n'attend pas qu'il caille naturellement, ça prend trop de temps, et puis je ne sais même pas si on y aboutit au final à voir ce qu'on voulait avoir, mais il faut mélanger dedans des acides. Faites le test, amusez à prendre un verre de lait et mettez du citron dedans, vous verrez instantanément, ça va se séparer, mettez du vinaigre, c'est le même principe. Il y a maintenant un produit qui est bien mieux que ça, c'est ce qu'on appelle la présure. La présure animale. Elle provient justement de l'estomac, il y a beaucoup d'acidité. Alors, lorsqu'on égorge une chèvre, par exemple, alors on avait l'usage de prendre l'intérieur de l'estomac, tout ce qui était à l'intérieur,
le vomi. Ouais, je sais pas comment c'était traité, j'imagine que c'était pas tel quel, j'espère pour eux en tout cas. En tout cas, il récupérait cet intérieur-là et pouvait le fabriquer, le sécher, et il fabriquait ce qu'on appelle de la présure. Ensuite, après, vous avez votre casserole de lait, vous mettez dedans un petit peu de présure, et d'un coup, tout fermente, et tout se sépare, le petit lait d'un côté, la matière lactée de l'autre, on récupère tout ça, on fait du fromage. Ça, c'est pour la culture. Maintenant, non, on continue encore autre chose. Il y a maintenant deux procédés. Soit on prend l'intérieur, d'accord, cette présure-là, enfin, on prend l'intérieur, tout le contenu, où il y a justement tous ces acides de l'estomac avec du lait qui sont dedans, mélangés. Soit, il y a encore une autre solution, c'est qu'étant donné que l'estomac, il est de nature, il a tellement contenu d'acidité depuis son existence, que... Alors, il y avait un autre procédé qui consistait à... J'ai pas trop compris comment est-ce qu'il le faisait, mais en tout cas, il remplissait l'estomac avec le lait, il mettait le lait directement dans cet estomac-là, et puis le fait de le faire entrer dedans, avec l'acidité qu'il y avait, ça fait que ça tournait... Ça se séparait, ça caillait, et donc il récupérait le fromage ainsi. D'accord ? Ça, c'était pour le principe général. Maintenant, on va y aller doucement, on va expliquer rapidement le principe de la Mishnah. Je ne sais même pas par où le prendre en fait, mais non, ça va aller, c'est pas compliqué. Regardez, ça se passe comme ça. Le problème, d'abord, on va résoudre les problèmes. En théorie, d'abord, il y a une première question de base à poser, c'est est-ce qu'il y a un problème de bassar et halav? On n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Donc, première question, est-ce qu'il y a un interdit de prendre une présure animale et de la mettre dans du lait pour pouvoir faire du lait? Regardez, c'est comme si je prenais de la viande et que je la mettais dans du lait. On aurait le droit de boire ce mélange? Et la réponse, elle est que oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici de viande. Le contenu que j'ai dans l'estomac, ce n'est pas une partie intégrante de moi. C'est autant que ma salive, elle est une salive d'un animal, imaginez qu'on a envie de prendre utiliser de la salive d'une vache, ça n'a pas un statut de bassard. D'accord ? C'est un liquide. Idem avec tous les liquides qui peuvent en sortir, si ce n'est le lait qui a un statut spécial, et la viande, la chair qui a un autre statut, le sang, il est interdit parce qu'il est interdit, mais si on voudrait utiliser de la transpiration d'animal, des urines d'animal, de la bave d'animal, eh ben, il n'y aura pas de statut de bassard. Selon le même principe, tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de la keiva, à l'intérieur de l'estomac, n'a pas un statut de viande. De ce fait, on pourrait le prendre et l'utiliser pour le mélanger en théorie. Premièrement, et donc il n'y a pas de problème de bassar bechalav. On a déjà fait un... D'accord, maintenant, deuxième point. Je vais procéder par élimination. Est-ce que... On pourrait utiliser, vous savez, on apprendra dans la prochaine Mishnah que le lait en provenance des goyim, chalav nochri, il est défendu. Vous allez me dire, mais quoi, nous en France on boit le chalav nochri? Non, ce que vous buvez en France du chalav nochri, c'est parce qu'il a un statut spécial, c'est le lait commercialisé, il a un autre statut. Mais de prendre un lait de particulier, jusqu'à aujourd'hui encore, le lait il est défendu, il y a des lois bien définies. Et donc le lait il est défendu. Maintenant, pourquoi? De peur que le goy, au lieu de vous apporter du lait de vache, vous apportez du lait de chamelle. Donc de ce fait, il est défendu. Donc premièrement, par élimination, le Barthénoï commence par là justement, en nous expliquant. Peut-être que vous me diriez, le fromage en provenance des goyim, il devrait être défendu de peur qu'il vienne d'un animal interdit. Ouais, ce serait une bonne idée. Eh bien la réponse est que non plus, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le fromage, seul le lait, Chazal, ils avaient une Kabbalah, que seul le lait en provenance de la vache ou de la chèvre, peut cailler et faire du fromage. Aucun autre lait a cette faculté de le faire. Comme ça rapporté ici dans le Barthénoï. Regardez, il n'y a pas lieu de craindre que ça vienne d'un animal, d'une behematmea, des kimlan, car on tient par transmission que des chalav behematmea enanikpe. Le lait qui provient d'un animal impur, du cochon, de ce que vous voulez, ne peut pas être nikpe, il ne peut pas coaguler et former du fromage. D'accord ? Donc maintenant, on revient à notre Mishnah, une fois qu'on a eu toutes ces petites introductions. Et maintenant, il a posé la question à Rabbi. Rabbi Shmuel a posé la question à Rabbi Yoshua. Pour quelle raison a-t-on défendu, a-t-on interdit à la consommation de le fromage en provenance qui a été fabriqué par des goyim? Il n'y a aucune raison. Il n'a pas lieu de le rendre interdit à cause de que peut-être qu'il provient d'un animal impur, comme ce qu'on vient d'expliquer. Alors, il a répondu comme ça, « Marlo mipnei shema amidin ota bekeiva shel nevela. » Parce que on est ma'amid. Alors, ma'amid, ça veut dire faire tenir, mais en réalité,
C'est un statut spécial qu'on expliquera. J'ai pas envie de trop allonger avec trop d'introduction, donc on reviendra dessus. Mais en tout cas, on fabrique le fromage. Il fabrique le fromage avec une keiva shel nevela. Soit, si on avait un animal pur, que de cet animal pur, on bien égorgé comme il faut, on prenait la présure et on le mélange dans le fromage, ça c'est permis même pour les juifs, comme on a expliqué, il n'y a pas de problème de bassar de chalav. Mais par contre, lorsque ça provient d'une keiva shel nevela, ça provient d'une présure qui provient d'un animal qui a été mal égorgé, donc l'animal il est interdit à la consommation, puisqu'on lui a fait la shrita, puisque lui est interdit à la consommation, même le contenu de son estomac est défendu. Comme ça, il tient pour le moment. Et sur ça, il va lui rétorquer Rabbi Shmuel en lui disant « C'est des bêtises, tu te moques de moi, Rabbi Yoshua. » C'est pas vrai, ça correspond pas à ce que je connais d'ailleurs. Parce que ce que je connais d'ailleurs, c'est que dans un cas beaucoup plus grave, Rami ont permis d'utiliser la présure. Quel est ce cas? Je vous le dis à l'oral tout de suite. On parle d'un... Si on avait une vache qui était un korban, j'ai apporté une vache en korban... Non, dans le cas, ça marche pas en hola, hola, ça vient que d'un zahar. Peu importe, j'ai apporté une seira, une chèvre en khatat, justement il va porter hola, peu importe. Ouais, on va parler d'un taureau, peu importe. J'ai apporté d'un corban, on l'a égorgé là-bas, j'ai récupéré le contenu de l'estomac pour en faire de la présure. Et là-bas, on va avoir une halakha bien claire. Il y a quelqu'un qui a même permis à la consommation. Et quelqu'un dit non, tu consommes pas, mais malgré tout, tu transgresses pas l'interdit de faire un sacrilège, d'utiliser des choses qui sont kadosh. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas d'interdit à la consommation intrinsèque au contenu de l'estomac, parce que l'estomac n'est pas considéré comme de la chair. Et on fait ça dans les mots tout de suite. À Marlo, il a rétorqué Rabbi Shmuel. Sur ton histoire que tu me dis que c'est à cause de l'estomac, le contenu de l'estomac d'un animal nevela, il est interdit, c'est faux ton histoire. Vehalo, mais ça ne marche pas, regarde. Kevat ola, l'estomac, le contenu d'estomac d'une ola, d'un korban ola, chamura mi kevat nevela. Il a un statut bien plus grave qu'un estomac d'une nevela, qu'un animal qui n'a pas été abattu, comme le rituel l'impose, comme la shrita. Vehamuru, et malgré tout, il y a eu un avis qui a dit. Kohen shedato yafa, si un Kohen qui se sent à l'aise pour le faire, s'il veut, sorfa chaya, il a même le droit de boire directement. Imaginez qu'il ouvre, il égorge un petit veau, et là-bas il voit là-bas qu'il y a du lait, ça lui dit de le boire, et bien il a le droit de le boire. Il y a un avis qui pense qu'on a même le droit de le boire. Regardez, ça provient d'une ola, et t'as le droit de boire le contenu de l'estomac si ça te prend. Sorfa chaya, il a le droit de le boire même tel quel. Velo odulo, et les chachamim qui étaient là-bas au Beit HaMidrash n'ont pas été d'accord. Non, tu peux pas le consommer. Ça vient de quelque chose qui est kadosh, ne consomme pas. Mais malgré tout, aval amru, mais ils ont quand même été d'accord que ennehenin velo moalin. On ne peut pas certes en tirer profit, on évite d'en tirer profit, mais malgré tout, velo moalin, on ne transgresse pas l'interdit de Meila de faire un sacrilège, d'utiliser quelque chose qui est kadosh. Pourquoi? Parce que si l'animal il est kadosh, vous comprenez bien que ses urines ne seront pas kadosh. Donc, sa transpiration ne sera pas kadosh, sa bave elle sera pas kadosh, et le contenu de son estomac aussi il n'est pas kadosh, parce que ce qu'il y a dans l'estomac n'est pas une partie intrinsèque de l'animal, c'est juste une afracha de lui, c'est quelque chose qui sort de lui, ça n'a pas le même statut que l'animal. De ce fait, maintenant on revient sur la nevela, il n'y a pas lieu d'interdire à la consommation la keiva, le contenu de l'estomac, de la nevela. Donc, Rabbi Yoshua, ton histoire là de me dire que... Je n'ai pas le droit d'utiliser un fromage en provenance des goïms à cause de l'estomac d'une nevela, n'est pas une bonne réponse, tu t'es moqué de moi. Chazar va à Marlo, alors Rabbi Yoshua, il a dit, bon, allez, je vais te dévoiler la raison. Mi pene, shema medinota bekevat eglei avodazara. Parce qu'en réalité, on craint que les goïms vont fabriquer le fromage, ils vont être ma'amid le fromage, avec une kevat eglei avodazara. Avec le contenu de l'estomac qui est dans un egel de Avodazara, dans un veau de Avodazara. Soit, il y a les goïms, ils ont chez eux des fois des veaux qu'ils vont apporter en sacrifice à leur idole, et de ce fait, ça s'appelle une tikrovet Avodazara, c'est interdit à la consommation et à en tirer profit. De ce fait, la présure qui va se retrouver à l'intérieur aussi, même si elle n'a pas le même statut intrinsèque comme ce qu'on a expliqué, mais. Le même statut que la chair elle-même, mais malgré tout, il y a en cela un interdit de profiter de la voie d'Azara, donc tu n'as pas le droit de consommer. Et sur ça, Rabbi Shmuel lui dit, Rabbi Yoshua, là tu te manques de moi de nouveau. À Marlo, il a rétorqué Imken, alors excuse-moi, là, ça ne va pas du tout. Si tu veux dire que c'est un problème de la voie d'Azara, la Malo Asaru Abba Ana'a, pourquoi dans ce cas-là,
Chachamim n'ont pas décrété un interdit à en tirer profit du fromage. Comme Rabbi Meir dans la Mishnah précédente, comme ce qu'on a commencé à rappeler au début du shiur. Puisque tu dis que c'est un interdit qui est lié au sourd de Avodah Zara, alors dans ce cas-là, il faudrait aussi interdire à en tirer profit. Si tu permets d'en tirer profit, c'est que tu as une raison pourquoi tu interdis à la consommation, mais qui n'est pas liée au sourd de Avodah Zara. Et sur ça, ici, les davar acher, Rabbi Yehoshua a ici, il l'a transporté, il l'a fait voyager sur un autre sujet. Il a changé de sujet. En fait, il a clos le sujet, il s'est mis à lui dire, il a embrouillé. Et sur ça, en fait, Amarlo, il lui a dit comme ça, Ishmael achi, Ishmael mon frère, puisque c'était Rabbi Ishmael. Hechata kore, comment est-ce que tu lis le pasouk? Le début de Shirashirim, Shirashirim va chercher Shlomo, Ishakinim et Ishikot, Piyu, Kitovim, Dodecha miyain, O Tovim Dodaich. Comment est-ce que tu lis? Bien sûr, quand on lit sur un parchemin, alors il n'y a pas de voyelle. Donc, quand on lit Dalet, Dalet, Yod, Chaf, on peut le lire soit Dodecha, soit Dodaich. Il lui pose la question, comment est-ce que tu lis le pasouk? Kitovim Dodecha miyain, ou Kitovim Dodaich miyain, au masculin ou au féminin? Qu'est-ce que ça change? On va expliquer après. Dans quelques secondes, d'abord je finis les mots, comme ça on explique un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans Shirashirim. Après, il faudra revenir pour expliquer finalement la vraie raison et pourquoi il n'a pas voulu lui dévoiler la raison. Ça fait un petit peu de boulot, mais ça va aller. Donc, il lui a répondu, Kitovim Dodaich miyain. Comme ça, il lisait, lui, comme ça, il a appris chez son rave qu'il fallait lire Kitovim Dodaich, au féminin. Ton amour est mieux que du vin, au féminin. Donc, c'est le masculin qui parle à la femme en lui disant, ton amour est plus savoureuse que le vin. À Marlo, il a rétorqué, Enadavarken, ce n'est pas le cas, cette fois. Share Chavero Malamed Alav. Car, quand tu continues le pasouk, les Reach Shemanech Atovim, quand tu connais le pasouk, ça s'appelle Chavero, la suite. Donc, son ami, ça veut dire c'est la suite du pasouk. Mais Lamed Alav, il enseigne sur le début du pasouk que les Reach Shemanech Atovim, qu'on parle au masculin, donc c'est la femme qui parle à l'homme. En lui disant, les odeurs de tes huiles qui sont bonnes, qui se diffusent de toi, de ce fait, les réarches et manères atovim, puisque c'est au masculin, donc c'est la femme qui parle à l'homme. On explique un tout petit peu mieux qu'est-ce qui se passe d'abord sur Shirashirim. Bien sûr, les fidèles du 5 minutes éternelles, ils connaissent par cœur tout Shirashirim. Maintenant, Baruch HaShem, on l'a fini l'année dernière. Ça ressortira encore l'année prochaine, encore mieux travailler, parce qu'il y a Tadishmaya. En tout cas, Shirashirim, c'est une longue histoire d'amour entre une femme qui a été exilée, rejetée par son mari, le prince, et qui a depuis qui se languit de son mari, qui a envie de revenir à lui, et qui lui exprime tout son amour, une très longue histoire. Et le début de Shirashirim, en réalité, ça fait allusion à Knesset Israël, le Ham Israël, et à Kadosh Baruch Hu, qui est notre roi, qu'on s'est marié avec lui au Mamad Har Sinai, et puis qui nous a envoyé en Galoute parce qu'on n'a pas été assez fidèles, on avait des tendances à vouloir croire que ce serait peut-être mieux ailleurs, donc il nous a dit, allez, va voir s'il y a mieux ailleurs. Et de ce fait, maintenant on est en exil, on se languit, et on désire davantage de retrouver Hachem, donc on lui demande, Ishakeni Meneshikot Piyu, quand va-t-il revenir m'embrasser de ses lèvres? Meneshikot Piyu, car son amour est mieux pour moi que tout le vin. Regardez dans 5 minutes éternelles, on aura vous pouvez l'avoir sur le site, une longue explication sur le Shirashirim en Nissan de cette année, même de l'année dernière. On a fait une étude suivie, Baruch Hashem. En tout cas, concrètement, ce qui nous intéresse maintenant, on demande qu'Hashem revienne et nous embrasse de ses lèvres, c'est-à-dire qu'il nous dévoile la Torah de lui-même, sans intermédiaire, comme il a fait au Mamad Har Sinai. C'était une Neshika, d'ailleurs, le Ham Israël a eu sa Neshama qui est sortie comme si c'était une Mitat Neshika. Par le baiser d'Hachem, Hachem qui se dévoile et qui nous parle directement à nous est considéré comme un baiser. Un baiser qui nous fait craquer, tout simplement. Et donc, on lui redemande, reviens, embrasse-nous, redonne-nous toi-même la Torah, car ton amour est mieux que le vin. Mieux que le vin, ça fait allusion à tous les plaisirs du monde. Ça nous plaît plus de vivre ta proximité à Hachem que de profiter de tous les plaisirs du monde. Et c'est ça notre demande, donc on lui demande d'étudier la Torah de lui. Mais plus précisément, c'est en cela que c'est très important. Définir maintenant, donc tout au long de Shirashirim, il y a un dialogue qui se passe avec un long vikouar entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Et là, on a cette phrase, Kitovim Dodecha Miyain. Car
ton amour, ton affection est plus forte que le vin. Comme ça, c'est écrit. La question est de savoir, si c'est au masculin, ça signifie que c'est Am Israël qui parle à Hachem. On lui demande de revenir nous embrasser, de se redévoiler à nous, parce que son amour est mieux que le vin. Mais si on lit Dodaïr, alors c'est Hachem qui nous vante et qui nous dit Tovim Dodaïr Miyain. Alors ton amour est mieux que le vin. Plus précisément, Chachamim explique, on ne va pas allonger trop parce que ça va faire trop de mer, mais en tout cas, Chachamim explique que les Dodaïm, l'amour exprimé ici, c'est les takanot que nous on fait, que le Am Israël, toutes les mitzvot des Rabbanan que le Am Israël fait pour se préserver de l'interdit de la Torah. Et elle est là la question de Rabbi Shmuel, elle est profonde, de Rabbi Tarfon, que si on va, qui vante qui sur le fait qu'on garde les takanot Chazal? Hachem qui vante les Bnei Israël, Kol HaKavod les Bnei Israël, Tovim Dodecha Dodaich Miyain, que vous préservez même toutes les barrières pour vous éloigner du fruit interdit de la Avera, ou bien est-ce que c'est Am Israël qui vante Hachem sur sa Torah, sa belle Torah, qui a même été transmise par les Chachamim, qui ont des raisons très profondes et très justifiées. Sans cela, justement, c'est la petite discussion qu'il y a autour des mots, c'est très profond, c'est en rapport en fait avec la Mishnah, que Rabbi Ishmael lui pensait qu'il fallait lire Kitovim Dodaïch Miyain, Hachem vante le Am Israël qui préserve toutes les barrières de sécurité, toutes les xérotes des Rabbanan pour ne pas transgresser l'interdit de la Torah. Tandis que Rabbi Tarfon lui a répondu non, que s'il y a marqué les Reach Shemaneh Hatovim, qu'on parle au masculin, ça signifie qu'en ce moment la parole elle est donnée à Knesset Israël qui parle et qui vante Hachem. De ce fait, il faut dire Kitovim Dodecha. Et donc on est en train de vanter la Torah d'Hachem en disant que ta Torah, c'est un élixir Atsum, très fort, et même les Takanot Chazal, elles ont des raisons très profondes. Et justement, puisqu'elles ont des raisons très profondes, il est venu en fait par allusion, lui, et Rabbi Yoshua est venu dire à Rabbi Ishmael, en lui disant par allusion, sache que même si je ne te dévoile pas la raison de cette Takana, pourquoi ça a été interdit, sache qu'il y a des raisons très profondes, fais confiance, et il y a des grandes profondeurs à l'intérieur de ça. Ça, c'était pour la fin de la Mishnah. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. Tout d'abord, une question évidente. Pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas voulu dévoiler la raison à Rabbi Ishmael? C'est pas gentil. Pourquoi pas? C'est aussi un Tana, Rabbi Ishmael. C'est un grand Tana. Si vous savez, c'était qui Rabbi Ishmael, Kohen Gadol? C'est lui qui prononçait le Shem Hashem pour monter. Mais Achora Parigot, derrière le rideau du tribunal céleste pour écouter tout ce qui se passait, c'est le Mamash Gdolador. Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, toutes des histoires sur la maison de sa mère. Cette fois-ci, c'est encore un autre 5 minutes. Ça se rapporte. L'année dernière, je crois qu'on avait parlé, pas cette année, mais l'année d'avant, à Tisha B'Av, là, Sarah Rogue Malchut, là-bas, il y a la longue histoire de Rabbi Ishmael, regardez dans 5 minutes, je fais ma pub, mais parce que c'est pas de la pub, c'est tellement bien 5 minutes éternelles que ceux qui sont pas abonnés, ils devraient commencer à se bouger à le faire. Et j'aime pas me vanter. Et d'accord, en tout cas, ça c'est Rabbi Ishmael, donc finalement, pourquoi est-ce que je ne le dévoile pas à Rabbi Ishmael? Je fais trop de parenthèses aujourd'hui, j'espère que je suis pas trop lourd, quoi. Donc je reviens un petit peu, non? Pourquoi Rabbi Yehoshua n'a pas voulu dévoiler la raison à Rabbi Ishmael? Sur ça, c'est expliqué dans le Bar Tanora. Parce que, il y a une grande règle. Quand Chachamim décide de faire un décret, il garde précieusement la raison exacte du décret. Il ne la dévoile pas à personne, même pas aux autres Rabbanim auxquels ils n'ont pas eu besoin de se concerter pour décréter. Et de manière à ce que tout le monde accepte ça comme un fait, comme quelque chose d'interdit, on ne discute pas dessus. Si on va commencer à dévoiler la raison, il va y avoir toutes sortes de rabbanim en tendance un petit peu libérale qui vont dire « Oui, mais vous, les rabbanim, peut-être que vous avez été un petit peu trop mahmir, on pouvait faire un petit peu différent. » Chut, ça sourd, tu ne fais pas. Tu ne poses pas de questions. D'accord? De ce fait, il n'a pas voulu dévoiler la raison pour laquelle Chachamim ont vu juste d'interdire les gvinot shel goyim. Il ne l'a pas dévoilé comme ça. Au moins, tu ne vas pas commencer à venir me faire du pile-poule en me disant « mais là, peut-être que malgré tout, tu ne devrais pas interdire. » D'abord, on a envie que l'interdit se diffuse bien dans le Am Israël. Pendant un an, on ne dévoile pas la raison pour laquelle c'est interdit. Après un an, on va commencer maintenant à vous dire « vous savez, ce qui est interdit depuis un an, c'est interdit à cause de ça. Tu veux pas, ça ne changera rien, tu seras obligé de le faire. » Parce que maintenant, tout le monde le fait. Ça, c'était pour le côté un petit peu historique, Agada de l'histoire. Maintenant, pour en revenir, les Goufo Shalinyan, finalement, pourquoi les fromages des goyim sont-ils interdits? Alors là, le Bar Tanora nous dévoile, en fait, nous explique la vraie raison pour laquelle c'est interdit. Et alors là, on va expliquer d'abord une petite notion qui s'appelle le ma'amid. De manière générale, lorsque on mélange un aliment interdit dans un aliment permis, si l'aliment défendu ne diffuse pas de goût du tout dans l'aliment permis, c'est permis de manger. Si j'ai un plat
où il y a dedans un petit bout de nevela, de viande interdite qui va sortir d'un goy, elle va cuire dedans, elle va se perdre et je ne vais plus pouvoir la reconnaître. S'il n'y a pas de goût, il y avait par exemple 60 fois le volume, donc on est sûr qu'il n'y avait pas le goût, il n'y a pas le goût, j'ai le droit de manger tout le plat. Le goût n'est pas distingué, on pourra manger tout le plat, il n'y a plus de problème, ça a été un problème, et ça a été résolu par Bitoul. Il y a quand même quelques petites exceptions, en l'occurrence c'est ce qu'on appelle le ma'amid. Si toutefois, regardez, on va prendre du citron interdit, du citron de Orla, peu importe du citron, pourquoi est-ce qu'il est interdit? Un citron interdit, et que je vais le mettre dedans, quelques petites gouttes uniquement, dans 5 litres de lait. Mais grâce à ces 5 petites gouttes, j'ai réussi à faire que tout le fromage est devenu du fromage. Ouais, grâce à ce petit acide qui est entré, ça a complètement dissocié la matière lactée du petit lait. Ça a fait que maintenant, ça a fait coaguler le fromage. J'ai pu maintenant le prendre pour en fabriquer un fromage. Alors là, en théorie, 5 petites gouttes de citron, ça s'annule, on ne sent même pas le goût. Vous avez qu'à goûter le fromage, vous verrez qu'il n'a aucun goût acide du tout, parce qu'il n'a pas pris le goût, il y avait 60 fois son volume. Mais malgré tout, étant donné qu'il y a ce qu'on appelle ma'amid, la petite quantité que tu as donnée a pu donner toute la forme à tout. Le simple fait qu'il donne la forme, ça a été justement ça la xéra particulière. Pourquoi Chaim on dit c'est interdit à cause de ça, le fait que ça donne la forme. Ouais, on retrouve la même chose encore avec du levain. Un petit peu de levain interdit. On sent plus le goût du levain. Ouais, on rajoute un petit peu de levure dans du pain. Il faut savoir comment ça se passe. C'est un procédé physique, chimique plutôt, qui va faire que un, il va communiquer à l'autre. Mais en réalité, c'est juste un détonateur qui va faire que la farine elle-même, elle va elle-même se mettre à fermenter. Donc c'est plus le goût du levain initial que vous mettez. Mais malgré tout, puisque c'est lui qui a déclenché la réaction, et qu'il est à présent, on remarque qu'on a du pain gonflé, on remarque qu'on a du fromage composé. C'est la même notion, mais chametz. Et aussi le megaben, aussi le faire de la gvina, faire du fromage, c'est le même principe. Puisque c'est grâce à lui que ça a donné toute la forme, alors ça reste interdit. C'était justement ça la xéra qui a été faite. De ce fait, c'est à cause des animaux qui n'ont pas été égorgés selon la shrita rituelle que ça a été fabriqué à cause justement de ces keiva shenevela. Mais pas du contenu de la keiva, c'est important à préciser. Le contenu de la keiva, il est permis parce que ça ne s'appelle pas de l'animal. Mais malgré tout, à cause du fait que parfois, on fait fermenter le fromage, enfin on le fait cailler, en mettant le lait à l'intérieur directement de la keiva. La keiva elle-même, l'estomac, il est interdit à la consommation. Si cet aliment interdit à la consommation, il réussit à donner du goût, qui n'est pas un vrai goût, qui est simplement le fait d'avoir été ma'amid, ce qu'on appelle ma'amid, alors dans ce cas-là, on considère qu'il y a comme s'il y avait son goût qui était mélangé, et donc on n'a pas le droit de le consommer entièrement, c'était le décret qui a été fait. J'espère que ça a été assez clair, mais en tachem, je vous souhaite une pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, c'est l'heure.